Directeur, comment est la PKB? La boule, petit petit frère. Don't take my visa, okay? Si moi, je paye mon fonds de travail, je vais faire un effort.
après, on va insister. D'accord, on a des parents. Michel, pourquoi okay. Ils sont violents hein? La Moi, bien dit, ça veut dire sans coup de manchette, sans coup de pique, sans mettre sans dehors, sans tirer, sans bouler, sans piller. Que nous arrivions à faire un bagaille pour payer. Parce que je dis, ce n'est pas monsieur un tel, ce n'est pas madame un tel, c'est payant que nous supposons, ouais. Parce que tant que. Idée ça. Entrer dans notre tête, nous tous haïtiens, parce que nous avons un problème que mon docteur, mon grand docteur et mon grand psychologue dit que c'est que nous tous nous bléchons. Et moi, je crois que ils ont invité aujourd'hui hein, en tant que professionnel pour moi capable de faire une série de petits cours. Et je ne vais pas permettre de dire des petits cours de psychologie avec nous, mais pour me aider un petit peu avec moi que m'a dit, pour me capable.
Martine Gaffon, leçon de civique, leçon de morale. Parce que c'est vraiment dommage que moi-même, là, j'étais petit monde, j'étais apprendre en série, yon bagay, c'était yon mot. C'est quoi l'institution civique? C'est. M'a demandé que tout le monde rentre dans le fond, il a demandé pour tirer à bas aux chaises, s'il vous plaît. Côté où nous débattons pour voir, côté nous dérivons bien, nous réunis.
Nous demandons où est-ce que Seigneur, de tout ça que tu déjà fait matin ça, que nous allons continuer à demander où est-ce que afin que vous soyez vous-même qui prend place dans la salle ça, pour ne pas avoir place pour mauvais esprit en prend place ça. Dirigez ça yo, et l'idée yo, Seigneur, qui est position pour transmettre parole avec Persa. Dieu l'amour béni yo davantage, afin que établi pouvoir par où, n'en pensez à chacun de nous, afin que vous nous capables de mettre parole yo en pratique. C'est là qu'il sent, mais c'est dans notre nom, Seigneur Jésus Sauveur, qui vit du règne au siècle de siècle. Père, tu es au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, tu es dans ma main. Par cette droite, la chair, le règne, la puissance, la gloire, siècle de siècle. Amen. Merci. Merci. Et s'il vous plaît, assemblez avec Chita. Monsieur Docteur Roger Lafontan est choisi par l'Éternel. Monsieur, si c'est vous-même qui voulez citer non, nous prenons responsabilité pas. Oui. Mais pas guéillon leader aujourd'hui qui vient faire qui vient faire campagne présidentielle. Bon, donc vient faire conciliation nationale. Merci. Bon, on a appelé le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et secours qui. Division. Nous battons tout ça nous y est aujourd'hui. Nous battons puissance étrangère qui avait essayé de mettre l'ordre pour nous. Nous battons occupés. Nous tapons grand monde caca nous. Nous tapons chita nous fait travail nous. Tout seul, en grand monde. Mais nous, c'est 10 monde nous y est. Alors nous comportons nous toujours en 10 monde. Ma invité une haïtienne, une mambo, pour venir chanter pour nous, pour nous capables d'ouvrir ses rêves. Tout le monde qui croit que mon classe monde qui va disparaître
notre aile bleue, tout le monde qui croit que de 46 à ce jour, bon paquet de bagailles qui fait, et tout le monde qui dit que on n'est pas fait, yo, Yannick Gadé nous, Yannick Gadé nous, yo, ouais, c'est bon bagaille qui fait. Pour nous prouver que nous ne pouvons pas mourir pour rien, c'est que nous continuons, Chita, jeune Chita là, camper, jeune a campé, chaque fois que nous allons obliger de camper, pour nous dire que non, nous ne sommes pas capables de faire rien, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas là. Donc, demandez une minute de recueillement, et puis après ça, nous allons permettre la convention à commencer avec d'abord la formation bureau, ensuite M. Jean Magloire, qui est président. La mauvaise foi d'un grand nombre de nos concitoyens, il ne serait pas concevable que l'on n'admette pas que nous sommes en train de vivre un grand moment historique que constitue la convention de ce jour, placée sous le signe de la réconciliation nationale, premier objectif de tous ceux qui veulent réellement, sincèrement, un changement dans ce pays. Dois-je avouer qu'il y a seulement 24 heures depuis que j'ai été pressenti pour prononcer les propos d'ouverture de cette importante convention. Les raisons avancées pour ce choix constituent la meilleure preuve que, dans l'esprit des uns et des autres, la nouvelle société dont nous rêvons ne retiendra que le côté positif des régimes passés. Il est inutile de souligner que l'état actuel de notre malheureux pays démontre sans équivoque que, depuis, la nouvelle formule souhaitée est loin d'être trouvée. Si j'ai accepté cette mission, c'est surtout parce qu'on a fait valoir que j'étais placé pour l'accomplir en raison du fait que j'ai toujours été au-dessus des querelles de classe à tous les moments de ma vie publique. En effet, acteur sur la scène politique en 1930, en 1946, en 1957, ma longue expérience des choses et des gens de notre pays, acquise au cours de ma jeunesse et de mon âge mûr, dans des postes de plus en plus importants, de promotion en promotion, en raison de ma compétence, de mon sérieux, de ma discipline et surtout de mon patriotisme éprouvé, j'ai servi des gouvernements qui ont connu beaucoup de dérapages. Je me glorifie pourtant d'avoir personnellement su maintenir intacte mon intégrité de citoyen. On m'excusera de le proclamer, mais c'est un titre enviable à une époque où la plupart de nos politiciens sont tellement tarés. J'ajoute tout de suite que, n'étant candidat à aucun poste public, il ne s'agit certes pas d'une tentative de me mettre en valeur. Cette mission d'introduction, je l'accomplirai avec la simplicité et la brièveté qui ont toujours caractérisé mes interventions à l'attention du grand public. L'idée tout entière, c'est que tout le monde a peur de regarder la vérité en face. Pourquoi? Parce que de nos jours, la réalité, ou si l'on préfère, les réalités, constituent le plus souvent des difficultés qu'il est bon de surmonter au prix de grands efforts. Et chacun voudrait se tirer l'affaire en se la coulant douce, laissant aux autres le soin de se sacrifier. Voilà le grand mot jeté. Oui, c'est l'égoïsme des hommes qui rend la vie moderne cruelle. On ne pense qu'à soi. Pour ne pas perdre une fleur de ce jardin, on laissait périr toute une famille. L'humanité n'a plus aucun rapport avec l'humanisme. Les mots ont perdu pour la plupart leur sens et il semble que les hommes en ont fait autant. Le remède à tout cela, le taureau à prendre par les cornes, et ceci à tous les échelons de la vie sociale, de la vie nationale. En vous offrant mon franc-parler depuis plusieurs décennies, je remplis un des devoirs de ma fonction et je suis prêt en toutes circonstances à harmoniser mes paroles avec mes actes. Fin de citation.
Vous comprenez bien, mesdames et messieurs, et de vengeance provoquée par certains discours politiques compartimentés en factions irréductiblement ennemies, une nation haïtienne plus que jamais obligée de s'unir pour livrer et gagner pour sa survie la grande bataille de son développement. Disons pour finir que nous avons l'intime conviction que tous ceux qui vont prendre part à cette convention considèrent qu'il est un devoir civique et patriotique de s'élever au-dessus des chapelles politiques pour contribuer à la non-violence, le respect de la différence et une approche sereine de la réalité à l'édification d'une société démocratique, solidaire et fraternelle. Merci. Nous allons avoir maintenant à entendre M. Alphonse Laens qui va nous présenter une résolution à l'extraordinaire au nom du MNPH. Tout un ensemble. Jeudi à son jour spécial. Je profite de la présence de tout là pour demander au président de l'Assemblée d'intervertir l'ordre du jour là pour nous présenter une résolution spéciale. Samyo, m'a demandé une minute de recueillement pour tout événement se passer avec la souillure du sol natal par les forces étrangères. Menez tout le monde debout. Pour une minute de recueillement, demande de modification de l'ordre du jour et déclaration relative à l'inadmissibilité de l'intervention des affaires intérieures de la République d'Haïti et la protection de l'indépendance et de sa souveraineté. Au nom du MNPH, vu le préambule de la Constitution 87, invitant les partis, groupements, mouvements et organisations politiques à des concessions mutuelles en vue de l'établissement de la démocratie, vu la déclaration du MNPH, dûment enregistré comme parti politique militant au service de la démocratie, considérant que conformément aux dispositions précitées, la convention composée de partis, groupements et mouvements dûment mandatés, considérant que les membres des mouvements des partis suscités, conformément à la charte de la Convention, ne peuvent admettre l'intervention militaire de l'OEA et des Nations Unies en l'absence d'un conflit grave, violent et sanglant. Considérant de ce fait que l'Assemblée générale de cette Convention nantit de pouvoir à lui conférer pour étudier la conjoncture présente. Considérant que la tenue d'une telle réunion provoquée par les partis, mouvements, organisations, représentant de la majorité nationale, témoigne de la prise de conscience de cette majorité à prendre en main les destinées de la nation. Considérant que les allégations mensongères relatées dans les multiples demandes d'intervention du gouvernement témoignent de son insouciance, du respect, du prestige et de la souveraineté nationale. La Convention a résolu. Est nulle et sans effet à l'égard de la nation haïtienne, les prétendues résolutions de l'OEA et de l'ONU accréditant l'intervention des casques bleus en Haïti sans qu'il n'existe de conflit sérieux. Deux, l'Assemblée générale renouvelle sa pleine et entière confiance à la capacité du peuple haïtien à gérer sa destinée et les conflits internes qui peuvent en découler. Trois, l'Assemblée générale de cette convention déplore chez les membres de ce gouvernement l'absence de toute éthique professionnelle et d'aucun sens de civisme et de patriotisme par leur adhésion aux prétendues résolutions de l'OEA et de l'ONU accréditant une intervention étrangère et militaire
sur le sol national que nous qualifions comme une souillure, une violation des principes souverains de non-intervention qui régissent les relations internationales. Elle recouvre cette demande d'intervention militaire scandaleuse et offensante au prestige de la souveraineté nationale si chèrement acquise, ainsi qu'à l'intégrité du territoire. C'est le mouvement nationaliste progressiste haïtien. Mes amis, message passé. Depuis une fête, nous toujours connaissons que petit coin de ça, c'est pour nous lier. Depuis une fête, nous connaissons que, d'après toute constitution passée déjà, un droit aliéné en tout ou en partie, ni faciliter la rentrée de l'étranger aux affaires internes. Tout le monde connaît que haïtiens sensibles sous point ça, la Kaili, c'est la Kaili. L'Olbama secourir à elle. L'Olmiami, on mettait l'encoum. Ou bien mauvais pitu pour bien sida ou bien pour bien cancer. L'Ol Canada, le courrier d'elle, mais chez elle. Côté pour gagner pour l'aller, si quoi ça par réservé pour lui. Nous demandons tout haïtien pour prendre conscience de gravité de la situation. Et c'est une raison que je la Jodia. Parce que nous sommes hommes malades. Nous n'avons pas de Jodia. Mais c'est pour vrai, c'est un certain Romain qui fait la caillou, l'homme malade. Et quand il y a de grandes questions qui ont décidé, ils ont fait mener sous grand cas de l'Assemblée. Pour ne pas dire, la nation a pris de grandes décisions. Ils n'ont pas là. Ce n'est pas question pour l'accepter au monde d'une dirigeante de la caillou. Quand nous connaissons toutes les épidémies qui dans le pays, tout le mal qui a donné, ce sont les forces étrangères. Pour dire, dans quelle mesure la gouvernement a sentiment sur les résolutions que ça nous présente, avant le speech de clôture. Frères et sœurs, à la grande convention nationale des classes moyennes, répondant à l'appel des leaders de la majorité, de la classe majoritaire, en vue de redéfinir une plateforme politique commune, le mouvement nationaliste progressiste haïtien, MNPH, espère aller au-delà des divers moments qui ont, à des degrés inégaux, justifié certains positionnements historiques. En cela, le MNPH plaide non seulement pour une reconnaissance de l'existence sociale de la classe, mais invite les phares, les guides de la majorité nationale à transgresser l'égoïsme individuel, l'hypertrophie du moi, la protéicaïrie qui, malheureusement, domine les rapports entre les membres de notre classe. Conscient des enjeux politiques et sociaux, des nouvelles données politico-sociales de cette conjoncture de transition, le MNPH souligne à votre attention, messieurs les délégués, que la conscience en soi de votre existence de classe ne suffit pas à accélérer le mouvement de l'histoire. Même si celle-ci se meut fondamentalement sur la dynamique intrinsèque des classes moyennes, le développement d'une conscience pour soi devient nécessaire pour faire avancer l'histoire. Mais cette conscience reste conditionnée en l'an de grâce 1990 par le choix d'une formule unitaire de conquête du pouvoir, d'une candidature unique, seule issue viable à la conservation des articles 46 et 57. Aujourd'hui, menacée par la disparition des nouveaux libéraux, des nouveaux conseils de l'histoire. En tant que leader des classes moyennes, notre politique couleur s'inscrit dans le double registre. Définir ensemble les formes de l'unité de la classe en choisissant finalement l'un d'entre nous le plus apte à s'identifier à nos communes d'aspiration.
promouvoir sans réserve sa candidature dans vos localités respectives pour faire échec aux forces exclusivistes de la droite réactionnaire et la social-communiste, porteur de revanchisme, de doctrine et d'idéologie de l'éther, génératrice de haine, de désastre et de recul. Et de recul dans l'histoire sociale. À ce carrefour difficile de la lutte politique, les leaders de la classe ont politiquement l'obligation de fondre, à travers l'alliance stratégique, les diverses familles politiques de la majorité nationale en une seule pour la conquête du pouvoir. Car les adversaires de la classe entretiennent délibérément une confusion entre classe moyenne et duvalierisme. Un réductionnisme qui risque de façonner négativement les consciences des générations présentes et futures. Les grandes figures historiques de la lutte pour le relèvement des conditions sociales de la majorité nationale, de Jacques Ier à François Duvalier, en passant par l'illustre Salomon et l'immortel Antoine Simon, articulaient la lutte autour du slogan « Le pouvoir au plus grand nombre ». Aujourd'hui, nous, élites de la classe majoritaire, devons poser le problème du double point de vue. Du plus grand nombre et les plus capables. Nous sommes les plus capables. Et nous sommes le plus grand nombre. Mes chers délégués, votre participation va revêtir une signification particulière de cette conjoncture d'ostracisme, de reniement, de rejet des éléments de classe. Elle fera date dans l'histoire de la lutte politique haïtienne comme symbole de volontarisme inébranlable, inflexible de changer les pratiques de la lutte sur la base d'une conjonction des forces pour l'émancipation sociale de la grande majorité. Le NPA vous salue avec patriotisme et apprécie énormément votre participation à ce grand rendez-vous de l'histoire. Merci beaucoup tout le monde. Ici, il est dit, mais lui, collez-nous. Nous pas vu une boulette. Et pas dire rien. C'est ça, pas d'accord avec nous. Mounio, s'il vous plaît, on libère devant le podium là. Parce que... D'abord, nous réunissons pour nous dire, nous ne pas cacher encore. Nous réunissons pour nous dire, nous ne pas quitter le boulot encore. Nous réunissons, je dis, pour nous dire, que Blanc va rentrer dans le pays. Nous réunissons ici pour nous dire que ici c'est terre de Salines Nagelier et la prêté la terre de Jean-Jacques de Salines. Nous ne pas venir dénoncer personne. Nous ne pas venir encenser personne non plus. Nous venons régler les affaires nous. Nous venons régler les affaires petites nous, pas qu'à l'école, nous allons l'école là. Nous venons régler les affaires si haïtien qui définit arriver non situation à cause de promotion sociale qui est faite dans le pays, nous voulons faire tourner dans le corridor. Nous disons, nous ne pouvons pas tourner dans le corridor encore, quelle que soit la situation. Nous parlons ici pour nous gommer, nous là. Nous démontrer sous table là que nous tous, Kamchita, nous manquons de l'autre et nous discuter avec nous. Ensemble.
Peuple haïtien, nous t'en témoins, mais quand il y a le monde qui va à Noël. Je dis à Noël. Ma candidat. Donc, il n'y a pas de problème. Monsieur, ça a un problème par contre. Mais alors, moi je voulais que nous connaissions, nous capables compter sur le monde qui vous défendre l'intérêt national pays avec nous. Hier, ils ont pris une décision dans les Nations Unies où ils ont envoyé 50 observateurs mercredi et 100 vendredi. Ça va faire 150 sur un groupe de 300 qui va rentrer dans le pays à Kalino. Nous allons ça. Et nous profiter aujourd'hui pour nous dénoncer toute causée, toute crocodile qui est organisée pour nous trouver dans le pays des Farinots. Nous parlons ça. Nous sommes capables de diriger le pays. Nous faisons erreur. Il faut que nous abattions. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous tous faire examiner nos consciences. Nous allons nous parler en pile sans que nous pas dit tout. Et surtout que jeudi a son journée d'observation pour nous. Son journée de réflexion pour nous. Son journée tout pour nous faire une récapitulation sur l'activité nous. Dans tout mouvement, dans toute organisation. Et c'est un problème que nous gagnons dans le pays d'Haïti. À un moment X déterminé, il faut que vous reveniez sur vous-même pour analyser, pour écouter et où est fait, pour rectifier tir, et puis pour non, et puis pour aller de l'avant. C'est ça seulement que vous faites. Nous ne pouvons pas renier rien et nous ne pouvons pas renier tête nous. Parce que si nous renier tête nous, nous renier patrie des salines. Nous ne pouvons pas renier tête nous. Et nous ne pouvons pas renier amis. Quel qu'il soit. Quel que soit inconvénient, quel que soit ça nous a gagné avec eux, comme différence et comme divergence, nous ne pouvons pas venir aucun des amis. Classe là. Et me reprochez-nous de ce que, avec complexe, nous rend complexe. Il faut nous voir que nous rend complexe. Convention. C'est le stade là que nous devons faire convention. Crocodile Delma, l'elle finit le bras de Dieu, tu as les riches, ma couture des réunis, t'es gagné. Et ambassadeur a brûlé l'information, agence de pression, d'un coup de camp à la New York Times, là. Demain, fais-nous. À travers l'histoire de ce pays, ce sont les colons. Demain, fais-nous. Parce que nous-mêmes, nous pas avec tête nous. C'est nous-mêmes qui avons le côté, qui avons l'information. C'est nous-mêmes qui avons oublié le dossier de l'ambassade. Demain matin, il a fini, il va le classer, ce monsieur Damessa. Il va le classer, nous, les films, classer, nous, classer tout le monde. Nous disons pas capable. Vous abandonnez, il va l'ajouter. Parce que les gens sont là, ils sont là. Si nous avons prié, hors d'état de nuit. Monsieur, nous avons un petit peuple dans l'Amérique là. Les Américains ont fait bataille à la victoire de Saratoga. Ce sont les armes qui ont aidé le général Washington. Ils ont foutu en bas. Flotte général Roa, toujours. Qui est une classe, pour marcher, à passer les armes ici au Cap-Haïtien pour les atteindre, pour la victoire de Saratoga. Je mettais nos situations à éliminer toutes nos classes d'hommes. Je vais appeler nous. Je ne dois pas appeler nous, c'est pas qui garde. Mais nous connaissons les bagages ici à là. Nous connaissons notre vie de peuple, nous. Nous avons toujours vécu dangereusement. Mon majorité, nous avons l'Haïti. Sous les jours, la ville de Dieu. Nous avons le monde qui a ville de Dieu. Il y a fait du soldat au père. Il y a eu plein de blancs en faveur. Nous travaillons à la Kaili, même social sécurité, nous n'avons pas. Dans Panama. Non, Guadeloupe. Nous disons que l'ambassadeur Watson, dans les Nations Unies hier,
Mais il y a parlé d'élection, il m'a dit c'est qu'on a fait l'élection. Convention qui, quoi que puisse en penser certains détracteurs, représente un événement d'une grande importance pour les classes moyennes, dites classes majoritaires. Elle constitue, en d'autres termes, cette convention, un commencement et un aboutissement. Un aboutissement en ce sens. Depuis le 7 février 1986, le secteur des classes moyennes est le point de mire de toutes les activités sociales et politiques parce qu'on le rend responsable de tous les crimes, de tous les méfaits, de toutes les turpitudes qui enlaidissent notre paysage national. Or, ce qui a autorisé les autres secteurs minoritaires à considérer cette classe majoritaire comme un bouc émissaire, c'est qu'elle n'a pas su vraiment mobiliser ses forces, se contentant seulement d'encaisser les mauvais coups d'où qu'ils viennent, dans un sauve-qui-peut indescriptible, et chaque groupement, secteur ou parti politique issu de cette classe oublie que dans de pareilles commotions sociales, seule une thérèse collective peut avoir la vertu d'un réel dégât, et de cette divergence de vue doit nécessairement naître la discorde au niveau des partis comme aussi des leaders. Hubert Labbé, Dieudonné Fabdin, Jean-Michel Ligondé nous ont conviés. Cette convention, disons-nous, à laquelle nous avons à cœur de participer, dessillera définitivement les yeux de tout un chacun pour qu'un peu tous connaissent la devise écrite au frontispice de nos couleurs nationales, l'union fait la force. Nous avons trop longtemps laissé s'éparpiller nos forces. C'est le moment venu pour nous de les reprendre. Nous avons manqué d'idées à notre destinée de peuple, pour n'avoir pas su poser sur elle une main qui ne tremble pas. Les partis ou groupuscules politiques sur la scène veulent à tout prix vider une querelle ou punir toute une classe d'hommes. D'ailleurs, ils ont le monopole du savoir, c'est blasé, je les appelle, et ils ont une opinion surtout. Voilà pourquoi je crois qu'il est important de s'adresser à ceux qui cherchent, de s'adresser à ceux qui ne savent pas encore, de s'adresser à ceux qui écoutent, de s'adresser à ceux qui se taisent, en un mot, pour ceux et celles qui veulent s'assurer de bien choisir. Aujourd'hui, Haïti vit au paradis des idées fausses. Qui peut prétendre pouvoir gouverner ce pays divisé en deux, divisé en trois, divisé en quatre? Tout le monde pense que le parti de leur préférence soit capable de gouverner seul. Ceci est de leur tempérament.
Avec nous. Alors, merci à vous. N'a pas plus tard, quand même.